tous, coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit démoulage résine époxy. Donc, comme vous le savez, je suis opérée bientôt. Donc, je fais une préparation pour ma petite réserve pour que je puisse continuer à vous publier des petites créations. Donc là, j'ai préparé de quoi faire des stylets. Alors, gros format et petit format. Donc, j'en ai fait plusieurs. Donc, on va regarder ça ensemble. Et on se retrouve tout à l'heure pour un live. Cette fois-ci, un live d'épée. Mais là, on reviendra ça après. Bon, alors, je vous montre le premier. Donc, le premier est un rose avec un effet marbré. Un effet marbré dans les tons or. Donc, ce que je vous montre, c'est brut. Et après, une fois que j'ai ça, je le démoule, je le laisse encore sécher environ 48 à 72 heures. Et après, on le passe au touré. Donc, le premier ici. Donc, rose effet marbré. Bon, vous voyez, hein, il y a des petites imperfections, mais tout ça va disparaître au touré que mon mari va faire. Donc voilà le premier. Le deuxième, donc là c'est pareil, ils sont mats, mais ils seront brillants, finition brillant quand ce sera terminé. Donc là nous avons un bleu feuille d'or blanc dans la transparence. Vous voyez un petit peu la transparence ici. Pour l'instant ils sont bruts, hein, mes bâtonnets. Donc voilà pour le deuxième. Le troisième, transparent avec des cristaux de verre bleu turquoise. Ça fait un peu émeraude, il est magnifique. Vous voyez pas bien, mais... Bon, là, ils sont mats, hein, comme je vous disais. Après, ils seront brillants comme ça. Hein. Mais là, ils sont bruts pour l'instant. Ensuite, nous en avons un transparent feuille d'or. Pareil. Alors, ils sont bruts, hein. Ils ne sont pas travaillés. Ensuite, on en a bleu nuit. Avec feuille d'or, non, feuille d'argent, donc bleu nuit. Magnifique aussi celui-là, j'adore. Oh, il est sublime, j'adore. Ensuite, nous avons des... Alors, ceux-là, c'est des... Comme on achète sur AliExpress. Donc, j'avais un moule, je me suis fait un moule, du coup, j'ai fait plusieurs petits stylets. Donc, on a le premier blanc nacré, rose à paillettes. Vous ne voyez pas les paillettes, hein. Mais je peux vous dire qu'il est très, très brillant. Donc, un embout simple. Ici, il y aura une déco. Parce que du coup, il est coupé. Je suis obligée de les couper sur le bout. Donc là, il y aura une déco. Ensuite, nous avons blanc et bleu. Ils sont magnifiques, ceux-là. J'adore avec les petits points, là. Je trouve ça superbe. C'est un blanc nacré, un peu en transparent sur le bord, ici. Voilà. Ensuite, nous avons un blanc et bleu, un peu marbré aussi. Et un espèce de... Je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. En fait, le blanc est venu faire un mélange ici, sur le dessus. Ça fait super beau, j'adore. Donc là, celui-là, ce sera un double embout, si j'arrive à bien le refaire. Ensuite, on en a un bleu. Hop. Avec paillettes, bleu nuit avec paillettes, il y a un peu de blanc aussi. Ça fait un peu une marbrure ici. Voilà. Et ensuite, il y en a trois qui ont déjà été faits et j'ai laissé poser 72 heures et du coup, mon mari les a tournés. Donc, le premier ici, donc bleu turquoise, noir et or. Hop, avec un embout simple. Voilà le premier, il est magnifique. Sublime celui-là. Ensuite, nous avons un bleu translucide feuille d'argent. Il est vraiment beau, il prend bien, il prend super bien en main. Mon mari lui a donné une forme de façon que quand vous posez les doigts dessus, vos doigts, ils se mettent bien sous la courbe ici pour éviter d'avoir trop mal parce que je sais que quand on fait du DP pendant 3-4 heures, c'est très douloureux. Donc voilà, celui-ci. Et le dernier, très flashy, couleur d'été, vert fluo et orange. Celui-là, il est sympa. Vraiment, les couleurs d'été. Donc, celui-là, il est fait. Alors, je ne sais pas, j'hésite à mettre des breloques ou pas, vous me direz, hein, s'il vous intéresse. Pareil, il a fait une encoche ici. Il l'a tournée à ce niveau-là pour pouvoir bien mettre les doigts correctement dessus. Donc, voici celui-ci. Donc, tout ça sera dispo sur ma page. Comme d'habitude, il y a en option l'embout métallique qui est
pas compris dans le prix du stylet. Donc, si vous voulez un embout métallique, vous me le dites. Donc, tous ces stylets seront pris en photo et seront postés au fur et à mesure des semaines que je vais te en. Au repos, quoi. Au repos obligatoire. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, alors, ça, j'ai. Vous savez que je fais des plateaux de fruits aussi, des plateaux de fruits et des saladiers. Là, j'ai essayé une nouvelle technique. Donc, je vais faire le démoulage avec vous. Je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que j'ai eu un petit souci avec la résine, donc je ne sais pas du tout le résultat que ça va donner. Mais on va voir ça ensemble. Donc le premier, bah le seul, parce qu'après c'est un combiné. Donc voilà ce que ça donne. Donc dans les bleus nuit, bleu, turquoise, blanc et argenté. Donc je lui ai donné un effet ovale pour le poser. Voilà. Et on va le démouler ensemble. Donc. Alors, est-ce que ça va aller? J'ai eu un petit souci de dosage de résine. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, déjà, le bord, il n'est pas top. Ah, quoique. Non, ça va aller. Non, j'ai. Ça va aller. Je pense que j'ai réussi mon rattrapage. Parce qu'il a fallu que je rattrape ma bêtise. Mais là, ça a l'air d'aller. Bon, j'espère que vous allez bien. Vous avez aussi beau temps parce qu'ici il fait très beau. Ça fait bien 3 semaines qu'on n'a pas vu la pluie. Bon, je pense qu'on va le payer cher après, mais bon, c'est déjà ça de prix. Mais bon, il ne fait pas très chaud. Hein. On a pas plus de 12 degrés dans la journée. Le petit pull et la veste, elles sont encore nécessaires. Bon, je vais devoir faire un petit rattrapage sur le bord ici. Ouais. Voilà, on y va pour le démoulage. J'espère que vous allez bien le voir. Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique. Oh, écoutez, je ne sais pas si vous allez voir, bien le voir en vidéo, mais il est sublime. Oh, j'adore. Voilà ce qu'il donne à la fin. Oh, il est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Oh, il faudrait que je fasse une superbe photo au soleil parce que vraiment, oh, il est magnifique. Oh, je suis super contente. J'ai rattrapé ma boulette. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, il y a quelques finitions à faire sur les bords, ce qui est normal, hein. Et peut-être mettre un contour couleur argent. Mais il est sublime. Ah, franchement, sur une table, ça, magnifique, magnifique. Hop, l'arrière. Il est superbe. Et le devant. Franchement, je suis super contente. Je vous ferai toutes des photos, hein, bien sûr, je mettrai sur Facebook et sur mon Instagram. Et le dernier, et pas des moindres, parce que j'ai mis exactement 10 jours pour le faire. Il m'a pris du temps parce qu'il a fallu, comme c'est un combiné de 3 étages pour un plateau pâtisserie, il m'a pris du temps à choisir bien les couleurs. Il est fait en plusieurs étapes parce qu'il est assez épais et comme j'ai voulu faire quelque chose d'assez volumineux. Donc du coup, j'ai mis 1 dizaine de jours à le faire. Donc j'espère que les couleurs vont vous plaire. Moi, j'ai craqué, hein. Franchement, quand je l'ai vu en train de sécher la résine, comme vous le savez, ça travaille toujours. Et il a fallu un bon moment pour que toutes les couleurs se mélangent bien et fassent cet effet. Et franchement, j'en suis super contente. Donc on va faire le démoulage ensemble. Donc c'est un plateau 3 étages. Alors, je vous montre le premier. Donc, voilà ce que ça donne sur le premier. Donc, j'ai pris des petites pierres. Vous allez le voir peut-être là, ici. Vous voyez? Des petites pierres couleur rose. J'ai pris une poudre de mica rose pastel. Une poudre de mica or. Et du blanc. Vous voyez? Ça, c'est le plateau du bas. Donc, on va le débouler ensemble. J'ai hâte de le démouler celui-là parce que j'ai mis tout mon cœur dans ce plateau. Et franchement, il est vraiment unique. Vous en verrez jamais un comme ça ailleurs. Oh là là, oh là là. Voilà, je suis pressée. Ah, puis il se démoule tout seul. Il est magnifique. Oh, il est superbe. Oh là là, j'adore. Donc ça, c'est le dessous du plateau. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Il est juste sublime. Regardez-moi ça. Oh,
Faire un plateau 3 étages, il va être magnifique. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de clarté, mais je vous ferai une belle photo que je mettrai sur Instagram. Donc ça, c'est l'étage du bas. Hop. L'étage du milieu. Donc pareil, les mêmes couleurs. Hein. J'ai suivi le même chemin. Donc petite pierre en relief. Vous voyez? Petite pierre en relief. Poudre de mica rose, poudre de mica or et du blanc. Donc on y va pour le deuxième démoulage. Ah là là, moi, je suis contente. Ça va avoir un plus bel effet sur une belle table, celui-là. Mon Dieu, quand vous faites une petite réception, vous recevez du monde, vous mettez ça sur votre table avec des petits biscuits. Alors, hop là. Oh, aïe, 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 je suis contente. Alors, voici le deuxième. Oh, il est magnifique. Oh, j'adore. Donc ça, c'est la face qu'on voit. Et ça, c'est la face du dessous. Et il est magnifique. Regardez-moi ces couleurs. Cet effet. Oh, il est sublime. Je ferai le montage par les 3 étages. Je vous ferai le montage, je vous le mettrai. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et le dernier. Donc le dernier qui va sur le haut du plateau. Ah, franchement, j'ai pris un plaisir pour le faire celui-là. Oh. Il est, oh là là, les couleurs rendues magnifiques. Oh, je suis super contente. Il n'y a pas un défaut, il n'y a pas une bulle. Mais vraiment, aucun défaut. Franchement, quand on passe du temps à faire une chose comme ça et que au résultat, vous avez plein de défauts, plein de bulles, de ceci ou de cela, vous êtes dégoûté. Mais alors là, franchement, il n'y a pas une bulle. Le voici, le troisième. Oh. Oh, le dessous, oh, le dessous, il est sublime. Oh, j'adore, il est magnifique. Oh, regardez-moi ces effets, franchement. À la lumière, mon Dieu, il va être superbe. Voilà. Oh, regardez-moi ça. Donc, pour les 2 plateaux, j'utilise la résine alimentaire. Hein. Donc, il est utilisable pour présenter des gâteaux. Des cupcakes, enfin ce que vous voulez. Et dans le plateau ici, il n'y a pas de souci, vous mettez des fruits, il n'y a aucun souci. Hein. Il n'y a aucun souci d'intoxication, puisque j'utilise la résine alimentaire. Donc voilà. Oh là là, je suis super contente. Donc voilà les 3 plateaux. Alors, hop, je vous montre comme ça. Voilà ce que ça fait. Donc il va être monté sur 3 étages. Il est magnifique. Oh là là, j'adore. Il va être présenté sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Si vous en voulez un plateau 3 étages, celui-là il sera à vendre aussi. Hein. Plateau 3 étages, il faudra faire la commande, il faudra qu'on en discute pour voir les couleurs que vous voulez, ce que vous aimeriez en décor, enfin tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous me contactez en MP et on voit ça ensemble. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Toutes les photos seront mises dans les jours à venir sur mon Facebook et sur mon Instagram. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et je vous dis bye bye à cet après-midi.